Allez Fifi, fais mon intro de vlog. Ou pas. Bonjour tout le monde, et cette lumière est super chelou, on dirait un fantôme. Voilà, là c'est mieux. Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un petit truc. En fait, dans la semaine, mardi, vu que ce meuble-là, il est bien beau ce meuble. Attendez, voilà. Sauf que si t'enlèves ça, ben ça fait un peu vide. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire un petit peu ma youtubeuse beauté et je vais mettre une fleur. Sauf que c'est pénible parce qu'il fallait une fleur qui ne sente pas, parce qu'on met pas une fleur qui pue dans une chambre, et une fleur qui n'a pas besoin d'entretien, parce que vu que j'oublie tout, ben j'allais la laisser pourrir. Donc c'est une plante grasse, donc ça c'est génial. On se retrouve maintenant, ça fait un petit moment et ça faisait très très longtemps que je m'étais pas posé dans mon lit à regarder des vidéos YouTube. Généralement j'en ai trop de retard, alors je dis pas la flemme, je les regarde pas. Et donc les let's play que je regarde en cours, et ben je suis à la bourre. Oui, je suis sans débardeur, je vais pas rester comme ça, surtout qu'il fait super froid aujourd'hui. Juste que je vais mettre mon polo SPA qui est juste là d'ailleurs. Hop là, il est là. Et c'est vrai que je vous ai dit que je l'avais acheté. Mais sauf que je vous ai pas dit pourquoi. Et en fait, bah pour eux, ça fait un don. Un don de 10 euros le polo. Et en même temps, moi, ça me fait une tenue SPA. Parce que, en fait, regardez. Il y a un gros carton qui traîne. Ce jean là, je peux plus le mettre en temps normal parce que il y a un trou au niveau des fesses. Un petit trou. Et donc, je vais pas le mettre pour aller en cours et tout. Enfin, s'il se craque ou quoi. J'ai pas l'air con, mais vu que j'aime pas aller à la SPA en jogging, ça fait genre crapper de service. Enfin, crapper de service. J'aime pas ça, je sais pas qui claque la porte, mais comment ça me soulève? Donc, vu que, enfin, il est troué, donc je peux plus le mettre normal. Moi, je suis racheté un, mais au lieu de le jeter celui-là et au lieu d'aller à la SPA en jogging, j'y vais en jean troué. Il est troué très léger, hein, donc ça se voit pas. Et donc, si les chats l'abîment, je m'en fiche, ils me griffent ou. Un chien ou quoi, je m'en fiche de ce jean, de toute façon à la base il va aller à la poubelle. Et le polo SPA, c'est justement, enfin, en fait c'est une tenue qu'on peut abîmer, qu'on peut salir. Je m'en fiche, c'est fait exprès pour la SPA. Oh, c'est bon. Et voilà, je suis enfin prêt, presque prêt, parce qu'il me faut un sac. Normalement c'était rendez-vous 13h30, 13h40 chez moi, pour arriver à la SPA à 14h. Sauf que j'ai seulement de finir à manger. Mais bon, c'est pas ma faute, c'est celle de mes parents. Donc, hein. Donc voilà, donc je me dépêche, direction SPA. Ma place habituelle sur une borne incendie que vous voyez pas. Voilà. En attendant qu'elle arrive. Je viens de rentrer et je me dépêche. Et oui, j'ai perdu mon maillot en route. Parce qu'il faut que je me change. Parce que mon meilleur ami sur la route m'a envoyé. On va manger une glace à McDo? La réponse est oui, bien évidemment. Donc je me dépêche parce qu'il va pas tarder à arriver. Donc c'est parti pour une glace à McDo. Oh oui. C'était gênant. Je viens de rentrer, il est 18h. Attends, on dirait que je suis shooté. Il est 18h. Et en fait, je suis super fatigué. Et bah déjà, c'était pas prévu que j'aille à. La lumière est dégueulasse. C'était pas prévu que j'aille à McDo. Mais les imprévus comme ça, c'est cool. Et sauf que ce soir, j'ai pas prévu d'aller au resto. Parce que genre, il me fait. Bah, ce soir, tu fais quoi? Bah, rien quoi, je mange, je révise un peu mes cours et tout. Puis peut-être jouer à la play, quoi, comme là. Il me fait, bon, on va au resto, allez, s'il te plaît, on y va et tout. Bah oui. Donc, je suis en fait. Et lui me berge, on a été à McDo, il m'a redéposé. Et j'ai 1 heure pour me préparer pour qu'on aille au resto. Que demander de mieux. Et voilà, troisième tenue du jour. C'est ma mère qui va être contente en faisant la lessive. J'ai mis une petite chemise de marine, on va dire. Donc ça fera l'affaire pour ce soir. Il est 19h. Je suis censé partir dans un quart d'heure, une petite demi-heure. On sait pas trop à quelle heure on doit se rejoindre et où. Donc on verra bien, je suis sur le qui vive, dès que j'ai un message, je démarre. Ah ouais, en fait vous voyez absolument rien.
C'est pas grave, je suis censé passer chercher une amie. Sauf, il me semble que la voiture devant c'est la sienne, donc il me semble que je me suis pas trompé. Sauf qu'elle ne répond pas à son téléphone et au message. Et en plus je suis dans une halte garage, donc j'espère qu'elle va pas trop tarder parce que être garé comme ça dans une halte garage c'est pas ouf. Donc va te grouiller ton cul s'il te plaît. Madame a dit j'arrive. Ça peut être temps, ça fait déjà 3 minutes que je suis là. Je suis un coucheur. Non mais j'aime pas arriver en retard et vu qu'en fait là, je vais chercher une amie. On va chez mon meilleur ami. Ah bah elle arrive. On va chez mon meilleur ami déposer ma voiture et après on y va avec sa voiture. Donc c'est cool.